Ah, c'est tout à l'heure quand il y a eu des multi-collisions là, tu peux l'enregistrer. Non, non, j'enregistre pas les fails. Ah. Faut que je montre à mes abonnés qu'on joue, qu'on joue comme des dieux, quoi. Je suis juste dans tes 5 heures. Ok. Remarque, tu peux garder une vidéo comme ça où on fait Nawak pour alterner avec les vidéos où on joue pas mal. Non, mais j'aurais pas assez de vidéos Nawak, on joue trop bien. C'est bon, ça peut toujours accélérer. Et bah, je l'ai à peine chatouillé sans les caronades. Comme ça, en plus, je prends les coups. C'est pas plus mal pour toi. Si j'oublie de mettre gunnerie, ça va pas le faire. Oh putain, y'a l'Elisabeth qui arrive. Ah, Elisabeth, je lui ai mis une petite douche attendrissante là. Kenwell. Je vois. Elisabeth Kenwell, ouais. Ah non, elle s'appelle Balmore. Ah putain, mais ouais, il y a encore deux Elisabeth. Ok. Bonsoir. 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 C'est Kagemusha du clan des Templars. Yes. J'étais avec les enfants de Jambard en discussion, qui est un autre clan FR. Ils ont subi une attaque sur Pedernales par une flotte de 7-8 Hollandais. Ouais. Pour renommer, cette renommée et une frégate. D'accord. Voilà, donc si ils ont besoin de renforts, ou en tout cas, si vous êtes sur zone, si vous pouvez leur donner un coup de main. Là, on est en plein combat, là. En tout cas, ben, si vous voyez des Hollandais, méfiez-vous, c'est cette flotte sur cette zone. Dès que les Français rentrent en mission, ils les attaquent. Au lieu d'attaquer la mission, le pirate, ils attaquent les Français. Alors, Pedernales. C'est dans le sud, c'est ça? Ouais, c'est dans le sud. Ouais, nous, on est toujours aux alentours de Camp du Roi, donc ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué. Ouais. Nous aussi, donc. Mais en plus, les nôtres sont pas encore tout à fait au courant puisque je passe la four en descendant. D'accord. Bah nous, okay. On a commencé à descendre des vaisseaux, donc je pense que la semaine prochaine on sera opérationnel si ça a besoin d'être dans le sud sur des opérations. Mais c'est vrai que là pour l'instant on n'a pas commencé à descendre encore. Bon bah en tout cas je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau et moi je vais rejoindre mon groupe pour voir ce qu'on peut faire. Ouais bah tu ok au bonne chance. Sans faute, Ça marche, pas de soucis. Bonne Merci. Soirée. Merci à toi. Oh Bryce. Ouais. Tu y allais un peu en mode bourrin là non? Je vire à droite là. Je vire à tribord. Tu vires à tribord? Ouais, pas du tout. Et je mets un coup de dépower pour te laisser passer. Et je coupe les gaz. Je vais continuer ma manœuvre quand on ralentit. Et je break à gauche. Voilà. Ok, tu peux reprendre de la vitesse massive. Pickup, comme quoi la communication ça sert. J'espère que je t'ai pas touché, loup. Je sais pas. Ah si, j'ai 3 trous là. Oh, l'enfoiré. Je sais que c'est toi, c'est... Ah putain, je suis super pas en position. On dit pas putain, on dit maman travaille. J'ai pas dit que j'enregistrais, moi. J'en sais rien. T'as dit que t'avais un problème parce que enregistrement, tout ça, compliqué. Ouais. Bon, ça va être mission à 12 XP pour moi. C'est pas fini encore, hein, tu peux te refaire. Oui. J'ai moins le temps là. Tiens, Denise Lafitte là. Tout c'est pas sur les petits vaisseaux que tu vas prendre beaucoup d'XP. Pardon ? C'est pas sur les petits vaisseaux que tu vas prendre beaucoup d'XP. Ouais, mais le sand rate, je me suis décalé un peu trop donc. Tu auras le temps de revenir dessus, les pantalons. Qu'est-ce qui me tire dessus là ? Ah, j'ai un sand rate au sud. J'ai un sword rate dans mon cas. Tu vois, il est pas si loin. Allez, une petite salve sur Denise Lafitte là. Je sens qu'elle a envie de. C'est la sœur de Margot? Ouais, Margot Lafitte. Et la fille de. Jacques. Patrick Lafitte? Jacques. Ouais, Jacques Lafitte. Mon dieu, Nico!
Allez, Denis Lafitte, je lui ai mis un cran et demi en rab. Ouais. Je vire dans la direction opposée là pour revenir vers le sword rate. Attention, il y a Crow qui est en feu. Crow qui est en feu. C'est marrant qu'il y a Pablo qui est venu là dans le... Il est venu avec nous. Bah Pablo il était juste à côté de nous, c'est lui qui attaque. Ah ouais mais c'est marrant que les autres n'étaient pas revenus quoi, ils étaient 4 les bien. On va savoir. Allez Elisabeth, j'ai remis une petite... petite lichette. Une petite lichette là. Mmh. Je suis pas persuadé d'avoir une assiste, mais au moins elle aura pris... elle aura pris au moins un cran et demi dans son blindage et puis son arrière je lui ai mis à 50%. C'est bien ça, nickel. Ok bon les sœurs maintenant. Le reste c'est à peu près fini. Mon dieu la voilure que c'est loin à remettre. Ça commence, ouais. J'ai perdu le troisième rang, il est où? Il est à côté de moi. Et t'es où? À côté et du troisième rang 90, à côté de lui. Ok. 90? Ouais, à peu près. À 90 de ta position, quoi. Non, non, il est à 90 à peu près. Ouh, je vais essayer de rester devant lui. Wouhou. C'est bon, localisé. Tu vois, c'est bon. Il y a la renommée qui essaie de me faire des dégâts, mais elle y arrive pas. Elle me tape sous les bras. Je vois que monsieur va essayer de me tirer les fesses, ça. Fais-toi plaisir, garçon. Voilà. Non, baisse tes voiles. Baisse tes voiles, vas-y, fais-moi plaisir. Tiens-moi dans le cul. Nico, ne pas sortir ceci du contexte. Bah, et je préfère qu'il me tire dans le cul qu'il me tire sur les flancs. Et moi, je peux te tirer dans le cul ? Ah ouais mais t'en as déjà plus derrière Nico. Bah justement, c'est pour ça que je préfère qu'il me tire dans le cul. Ouais mais ça te lève vachement l'avant. Ouais oui mais c'est pas grave, au moins je conserve. Nico t'en as un sur... Non Bryce t'en as un sur ta droite aussi. Ouais, mais il a plus rien aussi. Bah c'est surtout qu'il te tire dessus. Encore une bordée complète. Oh, Yarglaou. C'est... Nico a fait une tâche. Ouais. Vous avez lu Edika, c'est ça, Yarglaoui. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Edika, en tout cas. Moi non plus, mais j'ai conservé ça de mes vieilles années étudiantes. Ah ouais, vous m'en rappelez encore, mais... mais là, pour le coup, je me régale tellement ça, avec ce navire que... Ouais, c'est plaisant, ouais. Ça change des petits navires, ça commence. Tu revis par rapport au Cerberus quoi. Ah c'est clair. Je comprends pas comment Wakiza a pu dépenser 110 000 sur un 150 000 sur un Cerberus. Parce que c'était 110. C'est quand même intéressant quoi. Ah non mais Waki il est resté qu'une journée sur le Cerberus. Il apex comme un goré quoi. Ouais, je sais qu'il appelle sur ma gorée, mais justement, c'est bien ce que je dis. Il y a personne qui m'a prévenu que le Cerberus, c'est un peu irait par rapport au Snow, mais en fait... Ah non, moi le Cerberus, j'ai trouvé bien. C'est une merde par rapport au Trinco aussi, hein. Tout va en s'empirant au fur et à mesure, quoi. Non, personnellement, le Cerberus, je l'ai bien aimé. Oui, c'est un très très bon vaisseau, c'est bon. Moi, je l'ai pas aimé niveau, du tout. C'est un bon vaisseau, ouais. Moi j'étais plus déçu de la surprise que du Cerberus. Hein.
Bon, quand même pas, ouais. Oh, quand même pas la surprise, hein, putain de vaisseau. J'ai pas dit que c'était un mauvais vaisseau, j'ai dit que j'étais plus déçu parce que peut-être que je m'attendais à mieux, tout simplement. Ah oui. C'est fonction de l'attente. J'ai l'impression que c'est le jour et la nuit en termes de navire. Donc, peut-être un tout petit peu de canon la surprise, vraiment un gros coup. Bah moi je trouve qu'elle manquait de punch. Enfin après quand tu la joues caronade ça va, mais je trouvais qu'elle manquait de gros calibre quoi. Ah par rapport au Cerberus pour moi il n'y a pas photo. Hein. Bah c'est les mêmes canons que Cerberus. Ouais mais il y a ouais, plus. Ouais mais quand t'en as plus, t'as les petits qui te permettent de ouais, faire. Ouais les petits du snow. Oui les petits du snow mais. Je te jure, pour moi ça change la vie hein. Je l'ai foutu en feu. Ah je te gêne peut-être un petit peu Lou, non? C'est pas grave. Ma bordée se recharge. Je me décale. Du coup je vais gêner Pablo mais je vais pas le gêner longtemps. Et puis je vais rentrer dans Nico. Hein quoi non. Ah non rien, j'ai rien dit Nico, t'inquiète pas. Ferme les yeux Nico, tu sentiras rien. Par contre j'ai un. Nico, tu vas avoir un putain de beau prix qui va te rentrer dedans, t'inquiète pas, ça va pas piquer. Et n'empêche, si je continue, je vais réellement te rentrer dedans. Hein. Comme je te disais, j'ai une diarrhée morbide. Hein. Ça me gêne pas. D'accord, c'est pas un problème. Faut tout pousser dans le fond. Ouais, mais viens pas me le reprocher après. Bon bah pour les gens qui nous regardent, c'est une vidéo qui s'est poussée sur YouTube. Bienvenue dans le monde de l'élégance. Ouais, on est dans la marine. Hein. Enfin non, on n'est pas dans marine. Hein. Bon, ouais. Je me sois bien fait comprendre. Ami de la finesse et de la poésie et de la délicatesse, bonjour. Putain, la surprise, elle te met tout sur l'indicateur rouge encore et encore. Oh, la vache, elle tire bien. Hein. Bah c'est la mienne, hein. C'est que j'ai bien éduqué. Hein. Je crois que Pablo il s'est pris une petite bordée là quand même. T'inquiète Bryce. J'ai géré. Je m'en banne. The snow. Bon, ça ricoche beaucoup. C'est l'angle. Mais ça touche quand même. Oui, l'angle normal. T'arrêtes, Moi, je suis un peu les masses, j'ai le temps d'aller jusqu'à aller. T'inquiète pas Nico, je viens de l'autre côté. Ça dépend de quel côté tu parles, j'ai aucune idée de... L'opposé de toi. D'accord, à l'opposé de toi. Ouais, je vire plus face au vent.
Avec ce bateau, c'est un coureur assez planté. Ah, mais je me fais plaisir, hein. Je vire, je pivote, t'attaques. Ah, loup, t'es en plein dans ma trajectoire, là. T'inquiète, je vais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire tu tankes et puis tu l'assommes à coup de 34 canons. Et il te protège en même temps. La belle excuse. En plus, il avance. En plus, t'avances pas, tu stops et tout, sans m'en informer. Enfin, bel esprit, quoi. Ah, c'est l'esprit canard. Voilà, maintenant le gars il tourne et tout, il va me présenter son flanc. Nanana, nanana. Allez, c'est je un angle là. Merci, merci, je vois ça. Oh, c'est beau ça. Salut. Bah alors, c'est comme ça que t'assistes aux réunions en tant que Christ, toi. Ah bah, c'était reste au soir, je pouvais pas y couper. Oh, là, ça a bougé, là. J'ai encore touché, j'ai bien touché là. Non, non, c'était moi ça, Nico. Non, je t'ai pas vu tirer, toi. Je filme. Ah, pour info, je filme, indique pas de conneries, t'es mytho, hein, les autres. T'es mytho, appuie, bah dans ce cas-là, appuie sur contrôle, là. Je confirme, j'ai touché. Et moi aussi, j'ai touché. Non, t'as tout mis dans la flotte. Mais c'est pas grave, si tu veux, on va dire que c'est toi qui as touché, y a pas de soucis, Nico. Oh, c'est bon encore ça. Il y a une certaine beauté dans une bordée qui porte. Ouais, carrément. C'est de l'art. Hein. J'oserais dire. De l'art qui t'était inconnu jusqu'à maintenant? Et je te confirme. Jusqu'à présent, c'était une épreuve, genre putain, comment je vais faire pour arriver, etc. Et là. N'empêche, c'est le jour et la nuit, car on a des canons longs. Oh mon dieu. Ah bah. C'est pas là du tout, ouais. Mais c'est vrai que les caronades, c'est bon pour aller au cac, là, t'y vas comme un gros bourrin, mais là, les canons longs, tu joues en sécurité. Bah oui, oui. Sniper. Ouais, en plus. Tu mets en safe dès que t'as besoin. Et en plus, je vous gêne moins parce que je suis pas obligé d'être contre la cible, quoi. Bah, comme. Ouais, voilà, c'est ça. Ça c'était dans l'eau, non? Il est en feu. Ouais. Ouais, je suis pas mécontent de l'avoir foutu en feu finalement. C'est Bryce. Non, non, c'est pas moi, j'ai tiré après. Non, mais c'est pas grave, hein. Joe il a sa lecture, moi je vois sur ce quoi je tire. Mais c'est... Ah, mauvais esprit, il est en train de se wakiser. Cherchez pas. Heureusement, il y a la vidéo pour qu'on ait un témoin. Eh ben, je vais la mettre en ligne ce soir. Elle sera sur le forum demain, puis on verra bien qui avait raison. Ben, j'ai raison, c'est pas compliqué. J'ai balancé une salve et j'ai eu feu. Il y avait personne d'autre qui tirait dessus. Oui, puis tu sais ce qu'elle faisait la marmotte? Un troisième rang qui a deux rangs dans l'eau, c'est comme un vieux punching ball sur lequel tu te fais plaisir. Oui, c'est clair. C'est comme une pipa qui sert depuis 3 jours. Ah, mais arrête avec pipa, vous avez pas trouvé GG. Vos princesses. Me reprochez pas d'avoir trouvé la mienne. Déjà, elle est pas princesse, elle est même pas comtesse. C'est sa sœur qui est duchesse. 514 XP. Je sais Combien pas si... 514 XP. Ah bah ça va, c'est cool. GG.
Bellona 74, 2417 dégâts. Tu veux que je te fasse pleurer, Nico? Vas-y, fais-moi pleurer. 4028. Ouais, mais 2474, quand je te dis que je l'ai foutu en feu, je l'ai peut-être foutu en feu. Non, ça compte, ça compte pas les dégâts de feu. Oui, mais ça veut dire, ce que je te dis, c'est qu'au moment où je tirais dessus, j'étais le seul à tirer, je l'ai foutu en feu. Je te reconnais que tu l'as touché, peut-être. D'ailleurs, fais un screen de ton écran parce que je suis pas sûr. J'ai l'impression d'entendre Jean-Pierre Grimaud sur la révélation des pyramides.